Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, Messieurs, Dames du Conseil politique, chers camarades, Mesdames et Messieurs les invités, chers internautes, bonsoir et bienvenue au 9e numéro de notre Assemblée Générale virtuelle. C'est pour nous un honneur et un immense plaisir de vous savoir nombreux tous les samedis avec vos smartphones, vos ordinateurs, devant vos postes téléviseurs, en famille ou entre amis, pour nous suivre, pour vous informer sur la vie de notre formation politique et recueillir notre décryptage sur la situation socio-politique et économique de notre chère Guinée. Cette semaine, trois informations ont retenu particulièrement notre attention. Il s'agit tout d'abord de la politisation à outrance de la grâce présidentielle. La grâce présidentielle est un droit que la loi confère à un président. Ce droit lui permet une suppression ou une réduction de la sanction pénale. La condamnation reste néanmoins inscrite au casier judiciaire et diffère ainsi de l'amnistie. Ce phénomène est devenu de plus en plus récurrent. Des citoyens innocents sont injustement arrêtés et détenus à la maison centrale de Conakry. Dans ce couloir de la mort, les preneurs d'otages durcissent les conditions de détention. Les détenus politiques n'ont droit ni aux visites, ni aux pratiques de sport. Les conditions d'hygiène sont inacceptables et surtout pour des détenus dont le seul tort est d'avoir eu une opinion dans un pays dit de droit. Équipes le plus est, ont été des hauts cadres qui ont servi dans ce pays au plus haut niveau. Dans cette situation d'injustice et de violation grave du droit de ces détenus, les preneurs d'otages font croire à ces défenseurs de la liberté et de la démocratie qu'ils sont abandonnés par leurs collègues et par leur formation politique. C'est en ce moment que des émissaires de la honte entrent en activité. Ils cherchent à convaincre ces détenus politiques à demander pardon à Alpha Condé et à renoncer à la politique pour obtenir le précieux sésame que représente la grâce présidentielle galvaudée et vidée de son contenu. Malheureusement, de par ces agissements, la justice guinéenne est devenue une menace réelle pour la paix et le processus de démocratisation de notre chère Guinée, alors qu'ils sont inacceptables dans une démocratie fonctionnelle et interpellent notre justice. Ils sont de plus en plus nombreux les Guinéens qui ne font plus confiance à notre institution judiciaire à cause de toutes ces anomalies qui constituent des violations graves des droits et des libertés fondamentales. Une Guinée unie, travailleuse, solidaire et heureuse passera nécessairement par une justice fiable, équitable et au service de la loi. Une justice à même d'assurer l'égalité devant la loi pour tous les Guinéens. C'est à cette condition que nous nous rapprocherons d'une paix durable et pas à coup de formules incantatoires vides de sens, comme le rappelle souvent notre Nadia Naman. Ensuite, l'information qui a marqué notre semaine, c'est bien cette journée de recueillement, de prière et de jeûne organisée par les jeunes et les familles des victimes de l'Axe. Inutile de rappeler que le rôle important que continue de jouer cette jeunesse dynamique et patriote de l'Axe pour l'instauration de la démocratie et le respect des libertés et des droits fondamentaux en Guinée. La main nue, ils se sont battus et ils continuent de se battre contre la dictature, l'oppression et l'imposture. Et dans la défense de cette conviction, beaucoup ont été froidement assassinés et jusqu'à date, le gouvernement guinéen est incapable de rendre justice pour permettre aux familles des victimes de faire leur deuil. En organisant cette journée, les jeunes de l'Axe nous invitent à ne pas oublier ces héros de la démocratie et de la liberté. Ils interpellent l'opinion nationale et la communauté internationale sur les cas graves de violation des libertés et des droits humains en Guinée et les sollicitent leur appui pour empêcher une confiscation du pouvoir et des libertés individuelles et collectives. En attendant le résultat de ce travail que nous allons continuer de faire, nous disons paix à l'âme de ces héros. La troisième information sur laquelle nous trouvons nécessaire de nous attarder concerne ce déferlement humain vers Gawal, notamment à Kounsitel. Ce déferlement humain vers Gawal et les violences qui en résultent sont une preuve éloquente du niveau de chômage et de la grande précarité économique, sociale dans notre pays. Ce pouvoir illégitime de M. Alpha Condé, longtemps mis à l'épreuve de la gestion de l'État, a été incapable de prendre en compte les préoccupations élémentaires des Guinéens, lesquelles subissent, du fait de cette gouvernance erratique et chaotique, une inflation galopante, la cherté de vie, le chômage, la pauvreté endémique, la hausse généralisée des denrées de première nécessité, et j'en passe. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les responsables militants et sympathisants du parti, chers internautes, voici donc les informations qui seront abordées tout à l'heure par Monsieur Bakary Keita, le dynamiteur du CNJ,
Vous aurez également la partition de notre inégalable Nadia Naman pour 10 minutes. Et ensuite, le président Seloud Alain Diallo viendra boucler la boucle au compte de ce 9e numéro de notre Assemblée Générale. Et sans plus tarder, puisque nous sommes bousculés par l'OTAN, nous allons appeler M. Bakary Keïta pour la première communication au compte de ce premier numéro de notre Assemblée Générale virtuelle. Merci. On applaudit quand même pour Konaté. Merci beaucoup. Monsieur le Président, Madame la Première Dame, Monsieur le Vice-Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil politique, chers frères et sœurs membres du Comité national des jeunes, Madame la Vice-Présidente du Comité national des femmes, chers militants, chères militantes, chers responsables de l'UFDG, à tous les niveaux. Comme je le dis toujours, c'est toujours un honneur et un plaisir de prendre la parole devant notre respectable président, mais aussi devant vous, les militants responsables de l'UFDG qui ne cessez de vous battre depuis de nombreuses années pour ce pays. Aujourd'hui, je prends la parole pour simplement procéder à un compte-rendu de la réunion du Comité national des jeunes de l'UFDG. Puisque je sais que cette assemblée générale virtuelle n'est pas suivie que par les militants responsables de l'UFDG, permettez-moi alors de dire c'est quoi le Comité national des jeunes de l'UFDG. Le Comité national des jeunes de l'UFDG, c'est la structure fêtière de la jeunesse du parti qui peut parler au nom de l'ensemble des jeunes vivant en Guinée et à l'étranger, en tout cas militants et responsables de l'UFDG. Donc, moi, j'ai fait l'honneur, bien sûr, depuis quelques années de présider. Le jeudi 24 juin, ici, au domicile du président, nous nous sommes retrouvés. Bien que, avant, on se retrouvait dans les locaux du bureau de l'UFDG au siège du parti. Nous avons été contraints par nos adversaires à nous retrouver au domicile de notre président. Mais nous étions heureux de nous retrouver ici pour deux choses. Nous avons eu droit à une restauration digne de la Galimatou, mais aussi à un bon rafraîchissant. On ne veut pas que ça continue, mais quand même si on se retrouvait au bureau aussi à Galimatou, pouvait continuer ainsi, je pense que ça ne va pas déplaire. Monsieur le Président, de 16h à 17h30, puisque nous avons essayé d'être précis et concis, nous avons discuté de trois points. Information générale, perspectives et divers. On ne s'est pas beaucoup attardé, bien sûr, sur l'information générale, puisque chacun des membres du Comité national des jeunes et les fédéraux qui étaient présents, puisque tous les fédéraux du Grand Conakry étaient là, étaient largement informés sur ce qui se passe dans le pays, mais aussi dans le parti. Monsieur le Président, il nous a été dit, on m'a dit de vous dire, de vous transmettre, le Comité national des jeunes, que nous avons appris que certains de vos collaborateurs sont rentrés dans le pays, d'autres ont été graciés, certains ont dit que désormais ils ne sont plus à l'UFDG, d'autres ont dit qu'ils abandonnent la politique. Le Comité national des jeunes leur remercie du service rendu et leur souhaite bon vent dans leurs différentes entreprises. Monsieur le Président, le Comité national des jeunes sait que cela ne vous ébranle guère. Ils savent que la grandeur et la puissance de l'UFDG n'a pas été entamée. Monsieur le Président, le Comité national des jeunes, au nom de l'ensemble des jeunes du parti, m'a demandé de vous dire qu'ils veulent que les manifestations politiques de l'UFDG reprennent.
Nous voulons la reprise des manifestations politiques. C'est un droit qui nous a été conféré par les lois de la République. Nous ne devons pas renoncer à cela, Monsieur le Président, puisque vous voyez les gens se bomber le torse du côté de Boké en disant qu'ils maîtrisent tout dans ce pays, bien qu'ils savent que le droit de nombreux des Guinéens sont confisqués. Monsieur le Président, nous avons des détenus politiques qui appartiennent à la plus grande hiérarchie du parti. Nous avons aussi des militants qui sont emprisonnés du côté de Corentin. Monsieur le Président, vous savez que depuis quelques mois, vous-même, vous n'êtes pas permis de sortir de ce pays. Monsieur le Président, vous savez que le siège et le quartier général du parti sont fermés et illégalement. Les jeunes du parti, à tous les niveaux, à Conakry, à l'intérieur du pays et à l'étranger, souhaitent la reprise des manifestations politiques. Monsieur le Président, il y a un grand de ce monde qui disait que toute volonté de grandeur et de puissance d'un pays doit disparaître devant le droit d'un seul citoyen. Il y a combien de citoyens qui ont leurs droits qui sont confisqués au jour d'aujourd'hui en Guinée? Ils sont nombreux, oui ou non? Le peuple de Guinée ne compte que sur l'UFDG. Quand les usurpateurs du pouvoir peuvent se permettre de se moquer en disant quiconque désormais parle ou quiconque s'agite, il va se retrouver du côté de Corentin. Ils pensent alors qu'ils nous neutralisent et qu'ils nous maîtrisent et que nous avons peur de Corentin. Nous voulons recommencer les manifestations politiques et voir si tous les militants de l'UFDG vont se retrouver du côté de Corentin pour voir ce que cela va donner. Ils pensent pouvoir se donner une tranquillité d'esprit en nous confisquant de notre liberté, mais on peut leur garantir qu'ils n'auront jamais de tranquillité d'esprit parce qu'ils sont injustes. Quand vous êtes injuste, vous ne pouvez pas bien dormir. Quand vous êtes injuste, vous pensez que vous gérez, mais vous ne gérez rien. Quand vous êtes injuste, vous pensez maîtriser la situation, mais vous savez simplement que vous avez le soutien de ceux qui sont porteurs des armes, sinon vous ne valez rien. Monsieur le Président, aujourd'hui je ne vais pas être long, parce qu'il faut que la discussion soit campée sur ce point. Nous voulons la reprise des manifestations politiques. Telle est la volonté des jeunes de l'Axe. Telle est la volonté des jeunes de Matoto 1, de Matoto 2, de Matoto 3, de Ratoma 1, Ratoma 2, Ratoma 3, de Matam, de Kaloum, de Dixin 1, de Dixin 2, de Dubreka, de Maneya et de Koya. J'aurais pu continuer, mais c'est eux qui étaient représentés à la réunion. Monsieur le Président, en leur nom et en nom de l'ensemble des jeunes du parti, nous demandons à la direction nationale du parti, la reprise des manifestations de rue. Nous souhaitons que les usurpateurs du pouvoir sachent que nous ne sommes pas maîtrisables. S'il y a un cas d'injustice dans ce pays, si un droit d'un citoyen est confisqué, nous allons nous lever et nous battre. Et c'est cela notre vocation. On fait de la politique pour cela et nous savons que c'est ça votre vocation, Monsieur le Président. Les militants, les jeunes du parti qui sont l'affaire de lance du parti, me demandent de vous dire qu'il faut bien qu'une date soit choisie le plus tôt que possible, Monsieur le Président. Dans les jours à venir, nous avons aussi établi un calendrier pour faire le tour de l'ensemble des fédérations de Conakry. Et rapidement, Monsieur le Président, nous allons quand même vous soumettre une date. À vous de décider, on ne va rien vous imposer. Mais autant que nous, nous savons que vous savez qu'il y a une nécessité que l'on commence, l'on recommence nos manifestations, puisque rien ne bouge, Monsieur le Président. Je vais me limiter là pour dire que nos aînés sachent que ce que nous souhaitons, c'est un souhait. On n'impose pas, mais nous sommes quand même convaincus que c'est ça la solution désormais. Nous sommes convaincus que si les gens commencent à se bomber le torse pour dire que l'UFDG ne représente plus rien, il faut bien
que l'on prouve par une manifestation que l'UFDG reste, et cela est indiscutablement la première force politique de ce pays, et cela est indiscutable. C'est pourquoi nous avons gagné les élections présidentielles. C'est pourquoi les gens ne peuvent rien faire si ce n'est que militariser qu'on a crié. Ils n'ont rien à faire parce que, tout simplement, ils n'ont rien gagné et ils n'ont pas la confiance du peuple de Guinée. Monsieur le Président, ils doutent au jour d'aujourd'hui que vous continuez à avoir la confiance du peuple de Guinée. Il faut leur démontrer cela par une manifestation où le peuple va vous rejoindre et vous verrez de quoi nous sommes capables. Je vous remercie. C'était donc le message clair et précis de l'honorable Bakary Keïta, le patron du CNJ. Un message au nom de la jeunesse du parti. Ça nous fait 10 ans de mensonges, 10 ans de fausses promesses électorales, 10 ans d'opportunisme politique. Quelqu'un nous rappelait que dans n'importe quelle démocratie dans le monde, le pouvoir est donné aux institutions de la République, les seuls garants de la paix, la culture sociale et l'unité nationale. Lorsque ces institutions se refusent de fonctionner correctement, il appartient au peuple de prendre ses responsabilités. C'est ce que la jeunesse de l'UFDG va faire les jours à venir. Donc c'était donc le message du CNJ à travers son patron, l'honorable Bakary Keïta. À présent, nous allons appeler M. Antoine Collier. Lui, il est représentant de la coordination forestière. Bonjour, messieurs, Excellence, Monsieur le Président, Madame la Première Dame, cher Vice-Président, bonjour. Je me nomme Collier Antoine, membre de la coordination des zones forestières, assistant technique. Je m'en vais intervenir en langue pour que nos parents qui sont à l'intérieur du pays puissent savoir ce qui se passe dans notre pays. Nindanana Gakayi Kbalu Nyanyahwa Dakanaba Antoine Nogamuzenwa bien bâti en hui Tabanya Kaboku Muka Mani Tegaba Noyahu Yabaya Nenamu Mwakbana Banamani Gage Yetegala Yapem Lawa Toy Pritapan Fulko Yapurma Bi Gabo Aga Nuluniba Aga Niba Yilbay Kuka Woklu Hileke Habake Durubale Durubaye Nakuma Grâce Présidentielle Grâce Présidentielle d'Avaboy Yabaye yaka gahuyen tomu ngotega yimoniti gahuyen gaboka gulo. Donc il veut que kriyen nuwa po dohal ngo tola ka purba agriho aduto gahuyen major central. Il veut que Kuka yoko hile kala, vulo ya yemu ayiluwa kulo. Dukule emwe, gabo ane yene nunga diye ke, manlele kati gage. Yaku gorong, kuma yeti gage, gabo yi yanim talpe hong yete, yake gakbean ziyu, niba manwa kemenba. Yilibu ge, hiye nuhile kulo, Kublando kada kama Greenland, Donambula de kama sans frontières, et roi kulo hier. Pour que nous créions un cas que Galma y a gahunam la kulo, il y a nale manba. Il veut que comme coupa les hens du couille croisia, comme on parle des couteaux, pour n'y en nous a que le coup de qui gare au palusu. Quoi par le fama, pour que nous a houdi tout gahouya. Il veut que Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se faire.
Conakry, Bretonne, Dakama, Lax, Route de Prince, Diebe, Nazienoua, Menlepe, Akake, Yabaye, Alphango, Domungo, Gouvernement, Nyongoman, Diebe, Dakuro, Diebe, Kouras, Gadie, Touko, Dipe, Kouro, Dito, Noua, Togo, Touko, Dipe, Bel, Menoua, Togo. Donc, le droit de Kouro, Diebe, prier que, si Blawan, Dade, pas, Diebe, Honga, Kadie, Diebe, Kouro, Dito, Menouati, Dipe, Menouati, Togo, Diwa part, de Kahibo du Clo, de Walboka, de Priya Kadie, Yiye. Ba Yere Noua Kripou de Kia Goronga, opinion international, Ba la Guinée Noua Kripou de Kia Goronga, Kriti Gagay, Holer. Donc, de Kia Yiwa Kritogo, mais Douye, Pari, Tanle Dye, du Clo, du Pelmen, du Menouati Kay. Zabana Mandele, Zabana Gayen, Hie Katega, Gawal. Donc, Die kuro di hana kuro gawal ni kere ku mo kere ye na la gine lo ni kere ke ye na nu wa de hege mbay de hege burkina di pa yil na yene nu wa di ke pere kere la gine lo ni kamon mila bela pe kere di ma hada kala be da pa duwe horbula ni kere ku al nye pen la afrique pa mo horboy di be ye ga nu namu o fara wa te ga pu ye nu wa ti hu dawa de grege dawa de mangwana dihe dawa ko hanga ko die pour ne pas que noa de pas du pas du konwali yira gla biadmo toroy ko le yirba du fara wa he nan nokala de makere nta pa yirba de gla jogota pour de gla du pula noa ho du konngali taga pour ngono de gla gawal don du fara wa he na noa da pa de wate wa nguno wa menda pour que de pel han couler pas des mandats de la nokola et des mon nokola qui y a pas wali wangundo murie donan appel han couler dit de hela ya de nwa ke pela mais len da ka na de ko ngoli donc ni ndanan quoi pas il que pou ka ku nye ko ko ya ku la pla ba il boge ko nga ku to ku ma ku ko ma ma ne ko la ku la pla kele ni kele pou pou ka nyoyi mais ko yamba IFD deseloni ko appel he ko ku hanga ku to ga ngono bon ni kele pou ba la gine loni ye ko ya hago nogo mu ye ko no yen wal ka ye ni kele pou hanga to pour que ku par to de ni to ko ko ka gando ye ko ye bri gala boy don din danan yin ko ba mu ka daga di kam ma kam wa ka bal ka bal ka ka pou ba ala hama. Merci donc Monsieur Antoine Collier pour ce message. Il est revenu longuement sur la situation qui prévaut actuellement à Gawal et la cherté de vie qui prévaut également actuellement en République de Guinée et le degré d'injustice qu'on a dans ce pays. Donc à présent, nous allons inviter notre brillante chef de cabinet, Nadia Naman, pour sa communication. Merci. Militants et sympathisants, chers compatriotes, je suis ravie de vous retrouver dans le cadre de cette 9e Assemblée Générale Virtuelle de l'UFDG, dont la vocation est, vous le savez fort bien, de parler de la Guinée, de ses réalités et des perspectives d'avenir que nous entrevoyons pour notre pays. Alors, mon intervention d'aujourd'hui portera sur l'analyse par l'UFDG du rapport du ministère de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation, le MATD, et du ministère de la Sécurité et de la Protection Civile intitulé, je cite, « Rapport sur les violences politiques en Guinée 2019-2020 ». Et les enquêtes judiciaires en cours. Dans ce rapport, que dis-je, dans ce ramassis d'inepties, puisque c'est ce dont il est question, ces deux ministères s'emploient à passer par perte et profit la répression sanglante des manifestations pacifiques contre le troisième mandat et tentent de blanchir le gouvernement en rejetant la responsabilité de ces violences politiques sur le FNDC et sur l'UFDG. Ce rapport omet volontairement de mentionner que le FNDC et l'UFDG sont les véritables victimes des violences perpétrées par les forces de défense et de sécurité avant, pendant et après le double scrutin du 22 mars 2020 et au lendemain de l'élection présidentielle du 18 octobre 2020. Curieusement, le rapport ne fait aucunement mention des 99 citoyens tués
par les forces de défense et de sécurité pendant les manifestations du FNDC contre le troisième mandat et la volonté de faire disparaître les preuves en enterrant nuitamment dans des fosses communes à Zérékoré une trentaine de nos compatriotes. Tout aussi curieusement, le rapport ne fait pas non plus mention des violences déclenchées contre l'UFDG et l'ANAD au lendemain de l'élection présidentielle du 18 octobre, violences qui ont fait plus de 51 morts, des centaines de blessés et plus de 400 arrestations. Dans ce rapport, et il est important, on parle pourtant d'enquête judiciaire, mais jamais, à aucun moment, il n'est fait mention d'enquête visant à identifier les auteurs et commanditaires des exactions et crimes commis contre les citoyens membres de l'opposition politique et du FNDC. Alors, dans le document, le gouvernement accuse à tour de bras, sans preuve, l'UFDG et le FNDC de fabrication, de détention, de stockage d'armes de guerre et de tentative de déstabilisation, tenez-vous bien, des institutions de la République. Alors, ici, de rappeler à ce stade qu'en raison du caractère grotesque et fallacieux de cette accusation, précisément de fabrication et de détention d'armes de guerre, elle finira par être abandonnée, comme nous le révèle l'ordonnance de renvoi. Alors, le procureur de la République reprend intégralement ses accusations et c'est sur la base de ces accusations qu'il a déclenché des poursuites contre les militants et dirigeants de l'ANAD, du FNDC et de l'UFDG. Alors, une interrogation nous interpelle ici. Cette position du gouvernement qui constitue du reste une intrusion, qui constitue une ingérence de l'exécutif dans le judiciaire, peut-elle être démentie par les officiers de police judiciaire ou par des juges complètement inféodés à l'exécutif? La réponse est négative, sûrement non. La messe est dite. À ce moment-là, il n'y a plus qu'à prononcer les peines, à les exécuter ou encore à demander pardon de manière à ce que le chef puisse se fendre d'un décret présidentiel, d'une grâce présidentielle, pardon. Alors, renvoyant à une technique bien éprouvée du pouvoir, le montage de toutes pièces des complots les plus dignes des heures sombres du communisme, ce document est tissé de contre-vérités, d'approximations et d'interprétations grossièrement orientées. Évidemment, il serait fastidieux et pénible de les déconstruire point par point. Nous mettrons néanmoins un point d'honneur à soumettre certaines d'entre elles à l'épreuve des faits afin d'en démontrer le caractère absurde, l'inconsistance et aussi la fragilité. Alors j'ai sélectionné, chers compatriotes, chers militants, deux aspects qui, à mon sens, méritent notre attention. Et ces deux aspects recouvrent d'autres sous-aspects et s'emboîtent les uns dans les autres comme des poupées russes. Alors le premier aspect dont je souhaiterais vous entretenir concerne la lutte contre le troisième mandat qui a été présenté comme une volonté de l'opposition politique et du FNDC de remettre en cause l'ordre républicain. Alors, la lutte contre le troisième mandat est présentée, le rapport note, et je cite, une volonté de remettre en cause l'ordre républicain en attribuant, mais sans aucune preuve, toutes les violences politiques, à l'UFDG et au FNDC, dans le cadre d'un complot imaginaire dont seuls les régimes communistes ont le secret. En réalité, l'on sait tout ce qui a remis en cause l'ordre républicain en organisant, par la violence et la fraude, le double scrutin législatif et référendaire du 22 mars, commettant ainsi un parjure et violant la Constitution qu'il a juré de respecter et de faire respecter. L'on sait tous qui a profité du même scrutin pour mettre en place un parlement absolument illégitime et monocolore et que l'on appelle dans les quartiers de Conakry « parlement Covid ». Le 22 mars 2020, la Guinée a connu l'une des élections les plus contestées, les plus militarisées, les moins démocratiques de son histoire. Dans un rapport publié en octobre 2020, parlant des violences à Conakry, Amnesty International note, 12 personnes ont été tuées, dont 9 par balle pour les seules journées des 21-22 mars. Parmi ces victimes, 7 ont été touchées à la poitrine, au dos, à la tête et au cou. Et 2 l'ont été après avoir été heurtées par des véhicules des forces de défense et de sécurité. Les témoignages et les documents recueillis par l'organisation démontrent la responsabilité des forces de défense et de sécurité et des groupes de contre-manifestants associés à ces dernières. L'utilisation de véhicules comme armes et le caractère intentionnel de ces chocs ne peuvent être écartés.
Bien entendu, le rapport du gouvernement ne fera pas état de ces crimes impunis. Il s'en prendra même aux ONG, aux gouvernements et chancelleries occidentaux et aux organisations internationales qui les ont dénoncés en accusant ces derniers de manquer d'indépendance et d'objectivité et pire, d'être à la solde de l'opposition politique et du FNDC. Le second aspect dont je souhaiterais vous entretenir dans ce rapport concerne les accusations farfelues portées contre le président Sélioud Alain Diallo. Traitant du scrutin présidentiel du 18 octobre, le rapport indique, je cite, « L'intention de Sélioud Alain Diallo était de se réfugier dans une ambassade après le scrutin et lancer des mercenaires armés de PMAK et de grenades, assassiner des responsables politiques, des militaires, des gendarmes et des notabilités connues, notamment le Kontigi LH Seruna Souma. Tout ceci devrait se faire, tenez-vous bien, avec la complicité de certaines personnes à l'étranger. Grâce à la vigilance des services de sécurité et à la participation de la population, évidemment, il a été possible de mettre la main sur plusieurs mercenaires et des armes, PMAK, grenades, lance-roquettes, flèches, maquettes et autres armes. Ces mercenaires arrêtés sont aujourd'hui à la disposition de la justice. Une citation d'Alpha Condé pour réagir à ces propos, « Plus le mensonge est gros, plus les Guinéens y croient ». Alors d'abord, le président Sélioud Alain Diallo ne s'est jamais réfugié dans une ambassade et c'est en fils du pays, il n'a pas besoin de le faire, il n'a jamais eu l'intention de le faire. Certainement, les auteurs de ce rapport, en attribuant au président Sélioud Alain Diallo cette intention, se sont peut-être soudainement rappelés que Alpha Condé, en tant qu'opposant, s'était réfugié à l'ambassade du Sénégal en 91. Plus grave, dans le texte, on prête à Sélioud Alain Diallo le projet de lancer des mercenaires armés de PMAK et de grenades, assassiner des responsables politiques, des militaires, des gendarmes et des notabilités connues, notamment le Kontigi LH Seruna Souma. Mais quelles absurdités, militants et sympathisants! Mais quelle ignominie, chers compatriotes! Comment peut-on imaginer un seul instant que Sélioud Alain Diallo puisse nourrir l'intention d'assassiner LH Seruna Souma, avec lequel il entretient, au vu et au su de tous les Guinéens, une longue et solide amitié? Comment? Quel responsable politique, quel militaire, quel gendarme Sélioud Alain Diallo aurait-il eu l'intention d'assassiner et à quelle fin? Mais, comme le rapport indique, grâce à la vigilance des services de sécurité, rappelez-nous, nous sommes sous un régime communiste, et à la participation de la population, il aurait été possible de mettre la main sur les mercenaires, les PMAK, les grenades, les lance-roquettes et d'autres armes qui seraient aujourd'hui à la disposition de la justice. Eh bien, j'ai envie de vous dire ceci, on espère vivement qu'ils pourront fournir les preuves de l'existence d'un lien entre Sélioud Alain Diallo, les mercenaires et les armes qu'ils prétendent détenir. Ce complot que l'on veut attribuer à tout prix à Sélioud Alain Diallo n'est qu'un montage grotesque, le président a eu à le rappeler, qui vise à éliminer un adversaire qui s'est montré absolument indomptable, absolument incorruptible, l'UFDG, dont la capacité d'organisation, dont la capacité de mobilisation, dont le poids électoral, dont la résilience trouble le sommeil du locataire de Sékou Touré et des candidats à sa succession. Plus loin, pour poursuivre sur ce dernier aspect, chers militants et sympathisants, dans ce document truffé de contre-vérités, je l'avais annoncé au départ, on lit, je cite, « Alors que toutes ces fédérations, tenez-vous bien, alors que toutes ces fédérations et ses soutiens lui demandent de ne pas se présenter pour ne pas cautionner la nouvelle constitution et la probable victoire d'Alpha Condé, Sélioud Alain Diallo décide finalement de participer au scrutin du 18 octobre. Il rejoint ainsi les partis politiques qui ont accepté d'aller à l'élection présidentielle. Dès lors, la démarche de l'UFDG est mise à nu, nous sommes découverts. Participer au processus électoral pour pouvoir le contester de l'intérieur et disposer d'un prétexte pour se proclamer vainqueur et pour justifier une insurrection et ou un coup d'État. » C'est une contre-vérité, mais absolument flagrante, que les fédérations de l'UFDG ont démenti. Ce sont plutôt ces fédérations, elles sont présentes effectivement, comme le disait mon ami Sélioud dans le public, ce sont ces fédérations qui, interrogées par la direction nationale, se sont fortement recommandées aux partis de prendre part à cette élection et d'éviter la politique de la chaise vide. En effet, sur les 105 fédérations que compte le parti, 92, soit 88%, s'était même engagé
a contribué fortement au financement de la campagne et a encouragé le parti sur la voie de la participation en tant que parti qui s'inscrit et qui s'est toujours inscrit et qui s'inscrivra dans un cadre légal et républicain. Ces statistiques avaient même été rendues publiques avant même la déclaration de candidature du président Sélou d'Alain Diallo. Alors, dans cette élection, que cela soit clair, l'UFDG n'a nullement cherché un prétexte, et c'est une lapalissade que de l'affirmer. Tout d'abord, le parti a constitué, avec une quarantaine de partis politiques et d'associations, une solide alliance dénommée l'ANAD. Ensuite, avec les partis alliés, l'UFDG a mené une campagne exemplaire. Souvenez-vous, militants et sympathisants, chers compatriotes, de l'accueil absolument triomphal qui lui avait été réservé. J'ai eu la chance de le vivre à ses côtés. Les Guinéens se sont mobilisés. Le candidat de l'ANAD a été accueilli avec une ferveur populaire sur toute l'étendue du territoire national, à Farana, à Kizidougou, à Guéguédou, à Massanta, à Zérékoré, à Yomou, à Djeké, à Lola, à Mamou, à Kindia, à Koya. C'était un raz-de-marée. Et souvenez-vous encore plus de ce jour mémorable du vendredi 16 octobre 2020 qui restera gravé dans notre imaginaire collectif. La mobilisation qu'il y a eu dans la capitale a été d'une ampleur sans précédent. Chers amis, chers militants et sympathisants, chers compatriotes, Je vais conclure en disant ceci. Plutôt que de fuir constamment ses responsabilités, plutôt que d'attribuer les violences à l'opposition que l'on accuse, comble de l'absurdité, de l'indécence, de tuer ses propres militants, plutôt que d'imputer la responsabilité des enquêtes aux familles des victimes qui sont en deuil et à qui l'on inflige une seconde peine, un second deuil, en indiquant que ce sont les familles des victimes qui s'opposent, qui font obstruction à la manifestation de la vérité parce que prétendument intimidées par l'opposition, un peu de sérieux quand même, plutôt que de se déchaîner contre les journalistes, les activistes de la société civile, les organisations de défense des droits de l'homme, l'État guinéen gagnerait à déployer la même énergie, et c'est tout ce que l'on attend d'elle, entre autres revendications, l'État guinéen gagnerait à déployer la même énergie au service d'enquêtes indépendantes visant à identifier et à poursuivre, à déférer devant les juridictions compétentes les auteurs et commanditaires de toutes les violations commises contre les manifestations politiques dans ce pays. Pour terminer, et je termine vraiment, parce que mes prises de congé peuvent être longues, ce pouvoir, on assiste à un pouvoir qui est né de la déliquescence électorale et de l'usage abusif de la force, un pouvoir qui est entretenu par la corruption et le clientélisme, et en pouvoir, et cette corruption, ce clientélisme sont renforcés par la faiblesse des institutions qui, elles, sont toutes inféodées au pouvoir. L'UFDG, soyez-en rassurés, et les forces vives du pays qui sont soucieuses de l'avenir de la Guinée, qui sont soucieuses du futur de notre cher pays, continueront, comme l'a rappelé mon cher ami et frère Mohamed Keïta, à s'opposer à cette déliquescence. Nous ne l'accepterons pas, parce que seul le chemin de la résistance contre cette tyrannie peut conduire les fils et filles du pays à la réconciliation, à la démocratie et à l'état de droit. Je vous remercie de votre attention. En 30 secondes, I would like to say a few words to our English speakers, friends and colleagues. Due to time constraints, I cannot continue this intervention in English, but I offer my sincere apologies, and the content of my intervention will be translated in English and will send it to you as soon as possible. Thank you very much for your understanding. Goodbye. C'était donc Nadia Naman. Entre les partis communistes et les complots, c'est une longue histoire. Comme le rappelait l'honorable Bakary tout à l'heure, le peuple d'un État démissionnaire et qui attend passivement est un peuple complice de la faillite de l'État et qui ignore ses responsabilités. Le peuple de Guinée en a longtemps souffert de la corruption, de la gabegie, mais surtout de la précarité. Et il entend se mobiliser les jours à venir pour faire entendre raison au régime dictatorial de M. Alpha Condé. Et sans plus tarder, puisqu'on a une formation au niveau de la cellule de communication, nous allons appeler le président Sélou d'Alain Diallo pour sa communication. Et aujourd'hui, ça va être très intéressant parce qu'il va mettre à nu le discours du président grimpeur à Boké et il va revenir sur le niveau de précarité que vit actuellement les Guinéens. Je vous remercie. Tu protéger tous ceux qui interviennent, surtout Bakary qui est assez grand, la jeunesse.
Oui, ah, c'est vous, je vous en prie. Ah, quand même. Mais... Bien. Je voudrais commencer par remercier le Comité national des jeunes qui a eu l'initiative d'organiser des réunions à Conakry et qui regroupait, comme Bakary l'a dit, les secrétaires fédéraux, les membres du Comité national des jeunes de tout le Grand Conakry, c'est-à-dire Kaloum, Matam, Dixine, Ratoma, Matoto, Dubreka, Manea et Koya. Je comprends votre impatience parce que nous sommes victimes d'un terrorisme d'État qu'il est extrêmement difficile pour la jeunesse d'accepter. Les violences qui ont été déclenchées contre notre parti pour faire passer le hold-up électoral, avec un bilan de 57 morts, commençons par les morts qui ne sont plus parmi nous, qui exerçaient un droit constitutionnel, celui de marcher, de manifester leur joie à la suite de la victoire de leur candidat à l'élection présidentielle du 18 octobre. Ils ne sont plus parmi nous. Ils ont été abattus souvent à bout portant. Ce qui est plus grave, c'est qu'ils n'ont pas eu droit à la justice. Et ils ne l'auront pas avec Alpha Condé, hélas. Avant eux, 99 autres, pendant la lutte du FNDC contre le troisième mandat, 99 Guinéens ont été abattus. Donc une trentaine a été enterrée nuitamment en pleine forêt à Zérékouré parce que le pouvoir avait le souci de faire disparaître les preuves. Je ne parle pas des nombreux blessés par balles issus des rangs de la jeunesse. Les exactions dans les concessions au niveau des fiefs de l'UFDG et de l'opposition politique, notamment Aratoma, Wanindara, Somfonia, Simantiri, Mamou, Labé, Pita, Dalaba, Zérékouré. Si la jeunesse se révolte pour demander la reprise de manifestations, très honnêtement, je vous comprends. Je vous comprends parce que entre-temps, plus de 400 Guinéens, membres de notre parti, ont été arrêtés et incarcérés dans les prisons d'Alpha Condé, sans aucun motif valable. Des dirigeants de premier rang de notre parti ont été arrêtés et détenus, et sont encore détenus dans les geôles d'Alpha Condé. El Hadj Chérif Ba, Ousmane Gawal, Sellou Baldé, Ablaye Ba, El Hadj Ablaye, l'imam de Wanindara. Ils sont toujours, certains ont été relaxés. Je ne reviens pas sur ces grâces. On se réjouit qu'ils recouvrent la liberté. Nous aurions, dans un état normal, demandé de les indemniser pour les avoir injustement privés de liberté pendant plus de 7 mois. Foneke Mangé, il est toujours. 3 ans de prison. N'ont rien fait. Lorsqu'on est placé devant une telle injustice, et lorsqu'on est jeune et qu'on aime son pays, on ne peut pas rester indifférent. Nous avions suspendu nos manifestations à raison de l'état d'urgence sanitaire. Et nous allons examiner votre requête au niveau de la direction en tenant compte de l'ensemble des contraintes. Et puis on vous reviendra. Mais soyez sûr d'une chose, c'est que nous sommes aussi indignés et frustrés que vous face à l'injustice, face au terrorisme d'État dont notre parti est victime. Je salue le courage de ceux qui sont encore en prison. Je les encourage à faire preuve encore de courage et de dignité comme ils le font déjà bien.
Je prie Allah qu'il accepte dans son paradis les nombreuses victimes des violences d'État. Et je salue le courage de leurs proches qui n'ont pas eu droit à la justice, à la moindre compassion des autorités de ce pays. On dirait que la République est contre eux. Ce n'est pas la République, c'est la République de Alpha. Nous avions, lors des dialogues politiques précédents, obtenu du gouvernement l'engagement résolu d'envoyer des missions mixtes de l'État et de l'opposition avec des enveloppes substantielles pour présenter les condoléances de la République à ceux qui ont perdu leurs proches et leur apporter le soutien et la solidarité de la République. Alpha Condé n'a jamais voulu que cette décision de dialogue politique ne soit exécutée. Ils se sont toujours engagés à mettre en place des commissions d'enquête pour identifier les auteurs de crimes, pour qu'on puisse mettre fin à l'impunité qui est source, qui encourage la récidive. Donc, je vais aborder, j'étais obligé de réagir parce que à votre question, mais j'ai préparé papier pour montrer quand même quelques aspects de la mauvaise gouvernance et du manque de vision des autorités de ce pays. Vous savez que notre pays recèle d'immenses potentialités en matière de bauxite. 4 milliards de tonnes de bauxite, dont 2,3 milliards dans la région de Bokit. Nous détenons le tiers des réserves mondiales de ce minerai. Alors, vous avez appris, vous le suivez, que les exportations de bauxite ont explosé. Et Alpha en est très fier, il dit que c'est grâce à lui. Mais c'est un échec. C'est un échec. De 2015 à 2020, on est passé de 15 millions de tonnes à 80 millions de tonnes de bauxite exportées. Faisant de la Guinée le deuxième exportateur mondial de bauxite. Mais ce n'est pas une performance d'abord à mettre à l'actif du gouvernement. Parce que cette explosion de la production et de l'exportation de bauxite est consécutive à l'augmentation très forte de la demande mondiale d'aluminium. Mais aussi elle est la conséquence de l'existence de ces importantes réserves de bauxite de bonne qualité dans notre pays. Mais surtout de l'épuisement et de la fermeture des mines qui alimentaient l'industrie chinoise qui produit aujourd'hui 60% de l'aluminium consommé dans le monde. Vous avez appris que l'Indonésie a décidé de ne plus exporter la bauxite. Elle veut la transformer sa bauxite sur place pour avoir plus de valeur ajoutée et plus d'emplois pour son pays. La production mondiale de bauxite a augmenté fortement. Elle est passée de 23 millions de tonnes en 1999 à 58 millions de tonnes en 2015. La part de la Chine dans cette production mondiale est passée quant à elle de 11,5% en 2000 à 54,7% en 2015. Mais Alpha a hérité des conventions négociées au temps du président Lansana Conté. Ces conventions avaient prévu que les compagnies minières devaient construire des usines d'aluminium dans notre pays. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est de négocier des avenants pour délier les compagnies qui s'étaient engagés à construire des usines d'aluminium, de leur engagement de construire des usines. Donc on exporte la bauxite brute. Alors, ça, c'est vraiment l'échec. Il y a une opportunité. L'industrie mondiale de l'aluminium ne peut plus fonctionner sans la bauxite de Guinée. Parce que les devanciers ont préservé la ressource, attendant le meilleur jour. Et le meilleur jour arrive, on devait profiter pour avoir des fonderies d'aluminium, puisqu'on en a l'expérience, Fria. Et là, c'est la première usine d'aluminium en Afrique. Et c'est peut-être la seule jusqu'à présent. On a l'expérience. Non, Alpha dit non. Non,
créer les usines d'alumine ailleurs, nous, on va vous vendre la bauxite brute. Ça, c'est le manque de vision et la précipitation, le désordre qui caractérise sa gouvernance. Au lieu donc de faire respecter les engagements qui étaient déjà pris au temps du président Conté, qui ne voulait plus exporter la bauxite brute, qui avait donc obligé les compagnies, pour avoir les permis d'exploitation, il fallait que tu t'engages à transformer la bauxite au moins en aluminium. La production d'aluminium est moins complexe, est moins énergétivore. La production d'alumine est moins complexe et consomme moins d'énergie que la production de l'aluminium. Si bien qu'on dit, on met les usines d'alumine là où il y a la bauxite et les usines d'aluminium là où il y a l'électricité. C'est ça la règle. Malheureusement, le gouvernement n'a pas respecté cette règle et a signé des avenants aux conventions de base, libérant complètement les compagnies de leur engagement de construire des usines d'alumine dans notre pays. En renonçant à cette transformation sur place de notre bauxite, le gouvernement guinéen prive notre jeunesse de dizaines de milliers d'emplois et notre économie de la majeure partie de la valeur ajoutée qu'on aurait pu tirer de l'exploitation de notre bauxite. Alors, ça se traduit par des pertes d'emplois. Les pays qui exportent la bauxite brute, on dit qu'ils exportent l'emploi. Parce que c'est la transformation de la bauxite en alumine qui crée l'emploi. Ce n'est pas l'exportation de la bauxite brute. Je vous donne un exemple. L'usine de Fria, c'est une petite usine. C'est une petite usine qui produit 600 000 tonnes d'alumine. Pour produire 600 000 tonnes d'alumine, on a besoin de 1,5 million de tonnes de bauxite. Mais, en même temps, 3 200 emplois, dont 1 200 directs et 200 emplois indirects, seulement pour transformer 1 500 000 tonnes de bauxite. Aujourd'hui, nous exportons 80 millions de tonnes. Imaginez si on transformait cette quantité, je vous donne juste les chiffres. Alors, si on transformait ces 80 millions de tonnes seulement en alumine, qui ne requiert pas beaucoup de technologie, hein, on a déjà l'usine de Fria, on aurait créé 170 000 emplois. Mais en exportant la bauxite, notre bauxite ailleurs, on crée les emplois là-bas, là où cette bauxite est transformée en alumine. Alors, si on exportait seulement, on transformait la moitié des 80 millions qu'on exporte actuellement, mais eh bien, on aurait 85 000 emplois. Les jeunes, au lieu d'affronter le désert et la Méditerranée, à la recherche, ils auraient pu trouver de l'emploi. Et beaucoup de capitaines d'industrie qui se trouvaient parmi vous auraient pu créer des PME. Eux aussi créer des emplois autour de l'usine et créer donc des emplois directs. Et je vous ai dit que les emplois directs à Fria atteignaient 2000 personnes. Et aujourd'hui, dans notre pays, l'exploitation minière industrielle ne contribue qu'à 6,5% de l'emploi formel. Alors qu'elle représente 22% du PIB et 80% des exportations. Alors, nous perdons également de la valeur ajoutée, de la richesse. Parce que si on transformait la bauxite ici, non seulement il y a l'emploi, mais il y avait la valeur ajoutée. Parce qu'on on exporte actuellement 80 millions de tonnes de bauxite, mais une tonne de bauxite coûte 45 dollars, alors qu'il est. La tonne d'alumine coûte 300 000 dollars. Et pour faire une tonne d'alumine, il faut 2,2 tonnes de bauxite. Vous voyez? Alors si on produisait simplement, je ne passe pas à l'alumine, parce que l'aluminium lui coûte 2400 dollars la tonne. Et il faut 4 tonnes de bauxite pour faire une tonne d'aluminium. Et beaucoup d'énergie, malheureusement, que nous n'avons pas. Donc je n'ai pas fait la comparaison par rapport à l'aluminium, parce que c'est beaucoup plus complexe et ça requiert beaucoup plus d'énergie. Donc, si nous transformions ces 80 millions de tonnes, on les aurait vendues à 10,8 milliards de dollars. Alors qu'actuellement, nous encaissons
pour cette exportation de bauxite brute, seulement 3,6 milliards de dollars. On aurait passé à 10. Et mais ces 10 milliards seraient produits en Guinée, avec la main-d'œuvre guinéenne, avec les banques guinéennes, avec les PME guinéennes. Et tout le monde, cette richesse créée serait aussi partagée en salaire, en prestations et en beaucoup de choses. Donc nous nous privons de 7,2 milliards de dollars en refusant, en ne menant pas une politique qui vise à transformer sur place notre bauxite. Si 7 milliards de plus, actuellement on gagne 3 milliards, on aurait gagné 7 milliards, avec des incidences positives sur l'emploi formel, sur le produit intérieur brut, sur la balance des paiements, les réserves de change du pays, tout ça aurait fait de notre économie une puissante économie. Mais malheureusement, l'absence, le manque de vision de Alpha Condé et sa précipitation et le désordre qui caractérise sa gestion, on est en train de perdre une opportunité de développer le pays. Alors, mais ces entreprises-là qui produisent et exportent la bauxite, comme vous le savez, elles ont eu des conventions dans des conditions très opaques et elles ont obtenu beaucoup d'exonérations. Et malheureusement, elles ne contribuent qu'à 13% au budget de l'État, c'est-à-dire 13% seulement des recettes budgétaires sont fournies par les compagnies minières, y compris les exportations d'or. C'est tout le secteur minier qui ne donne que 13,2% des recettes budgétaires. Alors que la contribution au PIB du secteur minier représente 22%. Mais pourquoi cette faible performance? Parce qu'Alpha a donné à ses entreprises des exonérations. On les a exonérés à travers des conventions négociées avec chacun d'entre eux et des conventions et des exonérations qui ne sont pas conformes au code minier. Parce que ça aussi, c'est le désordre. Il y a un code minier, donc on sort l'entreprise du code minier, on lui fait des avantages qui ne sont pas prévus dans le code minier. Alors, ces exonérations, le Fonds monétaire a eu l'intelligence de rassembler, d'essayer d'évaluer ce coût des exonérations. C'est 7% du PIB, soit une année de recettes douanières du pays, qui sont un peu sacrifiées à travers ces exonérations. Ce qui fait que la contribution du secteur minier aux finances publiques est très faible, parce qu'ils ne payent pas au bon guichet. Parce que vous savez, lorsqu'on vous donne ces exonérations, certainement vous avez payé quelque part. Vous comprenez? Mais ce qui est comptabilisé comme recette budgétaire, c'est seulement c'est le montant. Un montant très faible qui ne représente que 13,2% de toutes les recettes. Et ces exonérations, ces exemptions, représentent 7% du PIB, soit une année de recettes budgétaires. Ensuite, on note quelque part qu'il y a des sous-facturations. Les prix facturés à l'exportation sont sous-facturés. Et vous pouvez voir, chaque compagnie facture par exemple au prix qu'il veut. Il y en a qui facturent à 14,3 dollars la tonne, il y en a qui facturent à 31 dollars, il y en a qui facturent à 40 dollars. Mais tout ça, ça passe, c'est une forme de fraude, parce que non seulement la taxe et l'exportation est assise sur la valeur exportée, mais aussi le bénéfice réalisé par l'entreprise qui doit payer l'impôt sur les sociétés pour 30%. Eh bien, ça aussi, ce bénéfice-là est donc réduit. Évidemment, tout ça, on ferme les yeux là-dessus, comme je dis, on paye à d'autres guichets, mais pas aux guichets officiels. Parce que vous savez à quel point la corruption ravage actuellement notre pays et à quel point le clan s'enrichit dans notre pays. Donc, au total, en exportant 80 millions de tonnes, au lieu de les transformer sur place, le pays perd 170 000 emplois, 7,2 milliards de valeur ajoutée. Et du fait des exonérations, 7% du PIB, c'est-à-dire une année de recettes douanières au niveau du budget de l'État. Ça, c'est la mauvaise gouvernance.
Maintenant, Alpha, lorsqu'il était à Bokeh, il vous a dit combien, il vous a montré la fierté d'avoir financé 3 élections sur les ressources propres. Ce qu'il n'a pas dit, c'est pourquoi. Il a refusé l'offre de financement présentée par les partenaires techniques et financiers qui ont chacun des budgets pour appuyer la démocratie et les élections dans les pays partenaires. Alors vous savez pourquoi il a décliné cette offre de financement. Puisqu'il continue de tendre la main pour être aidé dans la lutte contre Covid-19 et Ebola. Il continue à tendre la main pour obtenir des financements de ses projets et programmes de développement. Pourquoi il a refusé l'assistance des partenaires techniques et financiers pour financer les élections? Vous le savez, ce n'est pas à l'UFDG, aux jeunes de l'UFDG. C'est parce qu'il voulait commettre le crime électoral sans témoin. Il parlera de souveraineté, mais ce n'est pas la souveraineté, puisqu'il continue de demander pour d'autres choses. Il savait pertinemment qu'en acceptant le financement et l'assistance technique des partenaires, il serait obligé d'accepter l'évaluation et l'observation de son processus électoral par ces derniers et qui n'aurait pas manqué de dénoncer sa mascarade électorale et même de s'en retirer. C'est pour éviter ce clash qu'il a décidé, malgré la fragilité de nos finances publiques, de faire supporter le poids de 3 élections par le budget de l'État au détriment de l'entretien de nos routes et de la réalisation de plusieurs projets et programmes de développement. Je vais vous dire comment ce coût est exprimé. Pour 2020, le budget national d'investissement n'a été exécuté qu'à 5%. Oui, parce que ces dépenses ont dû être évincées par le financement des élections et l'achat des consciences. 5%. Le budget national de développement n'a été exécuté qu'à hauteur de 5%. Alors, vous voyez, je vais vous apprendre, je ne vous apprends rien, vous le savez. Le gouvernement a reculé dans l'augmentation des produits, l'augmentation des prix des produits pétroliers, mais il n'a pas renoncé, il a juste reculé. J'ai mis en évidence ici même l'inopportunité de procéder à cet ajustement de prix en invoquant notamment l'imminence de la période de soudure et l'état désastreux de notre réseau routier qui se traduit par une augmentation considérable du coût et du temps de transport. Parce que si la route est mauvaise, vous savez bien que les charges d'entretien des véhicules deviennent très lourdes et c'est le prix des produits transportés qui finalement supporte cette augmentation. Les autorités ont voulu justifier cette augmentation du prix du carburant. Je ne reviens pas sur les démonstrations auxquelles je m'étais livré la première fois, mais ils disent que tous les pays limitrophes ont des prix beaucoup plus élevés. Donc il y a un risque de réexportation de nos produits pétroliers vers ces pays où le pétrole est plus cher, le carburant est plus cher. Cela est valable pour quelques pays, pas tous. C'est valable pour les pays de la zone CFA, qui ont des monnaies fortes et une fiscalité un peu plus élevée. Mais pour la Sierra Leone, le prix de l'essence est vendu à la pompe à l'équivalent de 8100 francs guinéens. Au Libéria, à 7900 francs guinéens, soit largement en dessous du prix auquel nous vendons à la pompe, c'est-à-dire les 9 500. Donc lorsqu'ils affirment non, tous les autres pays ont augmenté, ce n'est pas vrai aussi. Parce qu'ils cherchent des arguments pour compenser ces exonérations dont je viens de parler, pour ces défenses folles qu'on a effectuées pour sauver le troisième mandat et en organisant les 3 mascarades électorales qu'il y a eu en 2020. Parce que ça a creusé les déficits des comptes publics. Et maintenant, le Fonds monétaire, il dit qu'il faut monter la pression fiscale. Notre pression fiscale est à 13%. Et je vais vous dire tout à l'heure, j'ai dit que
Les exonérations du secteur minier représentent 7% du PIB. Si vous ajoutez ça au 13%, vous avez 20%, le même niveau que la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Mais non, on laisse ça, ces compagnies minières qui détruisent notre environnement et exploitent nos mines, on les laisse tranquilles avec les exonérations, on va s'attaquer aux pauvres. En augmentant les prix de télécommunications, en augmentant les prix des denrées de première nécessité et maintenant le prix du carburant qui a un impact sur l'ensemble des prix des biens et services, notamment les denrées de première nécessité. Donc, il est clair que le financement des trois élections sur nos maigres ressources intérieures, alors qu'il y avait des offres de financement extérieur, a créé ces déficits publics et compromis l'exécution des dépenses utiles, dont les dépenses d'entretien et d'investissement. J'ai dit que le budget d'investissement n'a été exécuté qu'à 5%. Il est aussi clair que les exonérations dont j'ai parlé dans les mines constituent des manques à gagner pour nos finances publiques. C'est sans doute pour résorber les déficits créés par le financement du troisième mandat et pour compenser le manque à gagner entraîné par les exonérations accordées aux compagnies minières que le gouvernement s'acharne à augmenter à la veille de la période de soudure les prix des produits pétroliers qui ont une incidence sur tous les prix de tous les autres biens et services, y compris les denrées de première nécessité. Je pense que vous avez compris. Je ne reviens pas sur tout le discours populiste truffé de contre-vérités et de promesses fallacieuses, ce discours qui a été tenu à Bokeh, mais il fallait que je vous parle du secteur minier pour dire à quel point nos dirigeants manquent de vision et manquent de pitié pour les pauvres consommateurs guinéens. Je vous remercie. Voilà, c'était donc le président Sélou Dalène Diallo, le président élu de Guinée. Inutile de rappeler que c'est un grand homme d'État, un homme de parole, de rassemblement et d'action. Il est revenu longuement sur ce discours fallacieux du côté de Bokeh. Encore des promesses, rien que des promesses. On attend toujours les usines de pommes de terre, les usines de patates, de chingam, de bonbons qui tardent toujours à venir. Et comme quelqu'un le rappelait tout à l'heure, un peuple qui est incapable de se battre pour obtenir ses droits est un peuple qui ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Donc c'est pourquoi le général du CND rappelait tout à l'heure qu'il décide, l'UFDG décide que les jours et les semaines à venir, nous allons nous organiser pour ne plus céder à l'intimidation, pour ne pas céder aux violences de l'État, pour ne pas céder à l'injustice. Nous allons faire en sorte que les Guinéens recouvrent cette liberté qu'ils ont tant cherchée. Et pour cela, nous serons tous unis derrière le président Sélou Dalène Diallo jusqu'à Serro Touréa. Est-ce qu'à l'UFDG, on a peur de la manifestation? Merci à tous. Ce fut un plaisir pour nous de vous savoir nombreux avec vos ordinateurs, vos smartphones, mais surtout devant vos postes téléviseurs, en famille ou entre amis, pour suivre ce 9e numéro de notre Assemblée générale virtuelle. Rendez-vous dans 2 semaines si le propriétaire des jours à venir le veut bien. Je vous remercie.